J'ai largement eu le temps d'étudier cet endroit. Depuis quand vous étiez enfermé ? Depuis assez longtemps pour savoir que Constantin n'abandonnera pas avant d'avoir trouvé ce qu'il cherche. La source divine, elle est ici ? La confiance doit aller dans les deux sens, Lara. Qu'est-ce que c'est ? Une leçon d'histoire. Cet endroit est lourdement marqué. C'était un camp de travail. Les Soviétiques envoyaient des prisonniers ici, pour travailler dans les mines. Et ça ne leur suffisait pas. Ils capturaient beaucoup d'entre nous. Ils prenaient des enfants à leur mère pour les asservir. On ne dirait pas une exploitation. Ça ressemble plus à des fouilles. Peut-être. Ils creusaient partout où il flairait l'odeur de la richesse. Ça, c'est très ancien. Qu'est-ce qu'ils ont déterré ? Vous le leur demanderez. Il faut qu'on y aille. On n'est pas en sécurité ici. Là-bas ? Mon village se trouve dans la vallée, de l'autre côté de la montagne. On y sera en sécurité. Poste de commandement 2, dernier hélicoptère en partance. Bien reçu. La dernière cargaison. Signal des problèmes au centre de transmission. Encore des natifs ? Négatif. On a chopé un peu armé. Je vais m'occuper de ça. Attends, deux secondes. J'y suis presque. C'est bon. Tu peux y aller. Allez, sortons ce truc d'ici. Constantin veut une équipe à l'usine de cuivre avant que la tempête s'installe. Putain, qu'est-ce qui fait froid ici ? Si je l'ai su, j'aurais amené de quoi mieux me protéger du froid. J'ai remis les fusibles, ça devrait le faire. Ça m'étonne que ces trucs marchent encore. On dirait que ça a été saboté. Sûrement un coup des natifs. Raison de plus pour pas les louper. Thank you.
Anna a laissé tomber son masque. Nous sommes enfin réunis, elle et moi. Ces derniers... Jacob, j'ai trouvé un moyen d'ouvrir la porte intérieure. Dirigez-vous vers la cour, je suis déjà là. Anna, il faut que j'arrive à entrer. Quelques tireurs d'élite, quelques... C'est bien là. Je le sens. Merde. Fais gaffe, Lara. Je peux aller examiner ces ruines. Pour l'instant. J'ai vraiment hâte de quitter cet endroit de malheur. Alors j'ai de bonnes nouvelles, la mission de reconnaissance. Les natifs ont une colonie. Elle est de l'autre côté de la montagne. Enfin, ton heure de gloire approche. Notre heure de gloire. Du moment que tu ne t'écartes plus du droit chemin. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es très attaché à elle. La fille de Croft, autrement elle ne serait plus en vie. Mais on ne peut pas s'apesantir sur le passé. Tu doutes de moi? Tu sais ce que j'ai donné au Trinitaire, ce que j'ai sacrifié, ce que je traverse. Ça va aller. La vie ne nous a pas gâtés, ni l'un ni l'autre. Mais je t'ai juré de toujours te protéger. Et c'est moi qui suis sentimentale. Tu verras. Tout ceci en valait la peine, avec la source divine. Tu seras sauvé. Et plus important encore, tu vivras dans un monde purifié de tout péché. Envoie tes hommes dans cette colonie. Découvre ce qu'ils savent. C'est trop dangereux. Laisse-moi ce petit plaisir. Tout ça n'aura plus d'importance. Le jour où tu auras accompli ta mission. Constantin, on vous demande aux cellules de détention. Toi et moi ensemble, grande sœur. N'oublie pas. Pour toujours. Mais qu'est-ce que vous faites ? Lorsque l'humanité sera jugée, les non-croyants seront changés en cendres, puis balayés. Les purs seront révélés au grand jour, et la vie éternelle leur sera donnée. Partez devant, je vous retrouverai! Ils sont là, quelque part. Continuez à chercher! Il faut qu'on trouve où ils se cachent. Bon, du calme. Il faut que je trouve un moyen de sortir d'ici. Garde triage se trouve au nord de ce goulag. Je vous attendrai là-bas. Je me mets en route. Vite, faut que je file d'ici. Mettez-vous à
L'écusson militaire des soldats de l'Ordre de la Trinité. Il n'y a pas de texte, juste un symbole. Voilà. Depuis des semaines, les choses semblent claires. Je sais que cet endroit cache un secret. Les Soviétiques ont essayé de le découvrir aussi. Et maintenant, les Trinitaires. Et Anna. Anna, bon sang. Je n'arrive pas à y croire. Pendant tout ce temps. Est-ce qu'elle espionnait papa aussi? Je dois repartir. Trouver Jacob et me rallier à son peuple. Si j'arrive à leur prouver ma valeur, peut-être qu'il m'en dira plus sur cet endroit.
urgence, ouvrez-moi! Commissaire, tu tires de couverture! Jacob, je suis plus très loin de la gare de triage. Vous êtes arrivé ? Un insigne de grade d'ordre militaire. Les Trinitaires. Vous en avez mis du temps. J'ai bien cru vous perdre là-bas. Ça ne risque pas. Merci de m'avoir aidé à sortir. Dépêchons-nous! On peut sortir par là! Attention, ils sont sur les rails. Ne les laissez pas entrer.
Vous auriez pu me laisser dans cette rivière. Vous m'y auriez laissé? Ça m'aurait traversé l'esprit. Vous croyez que je n'y ai pas pensé? Alors, qu'est-ce qui peut bien vous pousser à prendre autant de risques? La source divine. Je sais ce que vous êtes venu chercher. Je veux savoir pourquoi. Quand j'étais enfant, il n'y avait que mon père et moi. Il était archéologue, lui aussi. Les années qui ont précédé sa mort, il était comme obsédé par les mythes autour de l'immortalité. Évidemment, personne ne le croyait. Même pas moi. La dernière fois que je lui ai parlé, on s'est disputé. Il a décidé de se suicider. Je ne croyais plus jamais entendre parler de ça, mais... Quelque chose s'est produit. J'ai été témoin d'une chose. Contraire à tout ce que je croyais jusque-là, ça a vraiment tout bouleversé. J'ai réalisé que mon père avait raison sur tout. Il est mort tout seul. Il était brisé. Mais au moins, il est mort pour une cause. Vous pensez donc que la source divine existe? Honnêtement, je ne sais pas. Mais s'il y avait... ne serait-ce qu'une once de vérité, je dois le savoir. Il faut que la question soit étudiée et approfondie. La vie telle qu'on la connaît serait remise en question. On ne peut pas garder ça secret. Une remise en question n'est pas toujours bénéfique. Voudriez-vous que les Trinitaires détiennent le secret de l'immortalité? Bien sûr que non. Dans ce cas, je vous demanderai non pas d'abandonner votre quête, mais d'en détourner la trajectoire. Rejoignez-nous, mon peuple et moi. Aidez-nous à repousser Constantin et les Trinitaires. Et une fois que ce sera fait? Vous laisserez notre vallée en l'état. En sachant que vous aurez fait ce qu'il fallait.
Non. Je suis désolée. Je peux pas faire ça. Ne peut pas ? Ou ne veut pas ? Je combattrai les Trinitaires à vos côtés, mais je dois découvrir la vérité. Si j'abandonne maintenant... C'est comme si c'était lui que vous abandonniez ? Pas seulement lui. Il faut que j'aie des réponses, Jacob. Je veux le fin mot de cette histoire. Vous partez ? Je suis très inquiet pour mon village. Il est à un jour de marche, de l'autre côté de la montagne. Il y a un raccourci par la vieille mine de cuivre. Vous, reposez-vous. Je reviendrai vite. Jacob, vous êtes là ? C'est pas vrai. Où est-ce qu'il est ? À nouveau seul. Jacob est parti devant. Il y a quelque chose chez lui qui m'échappe. C'est à la fois bizarre et presque rassurant. J'ai l'impression que je pourrais lui dire n'importe quoi et qu'il ne broncherait pas. Je ne ressens aucun jugement de sa part. Les vermines nous ont trouvés les premiers. Oh bon sang. Tout va bien ? Je m'en sortirai. Mais il me faut un endroit plus sûr au cas où les envahisseurs reviendraient. Il y a une grotte de l'autre côté du pont. Une tanière de l'eau. Ils n'iront pas chercher là. Et je ne peux pas la sécuriser tout seul. Pas dans mon état. Si vous pouviez les tuer, on aurait un endroit sûr où se regrouper. J'aurais peut-être même quelque chose pour votre pistolet. Vous pouvez m'aider ? Oui, bien sûr. Ne vous faites pas voir, je reviens. Merci. Jacob avait raison à votre sujet. Ces inscriptions, ce n'est pas du russe. Un avertissement peut-être.
Vous avez nettoyé la grotte ? La grotte est nettoyée. Si vous vous y rendez, vous serez en sécurité. Merci. Tenez. Prenez ça. Jacob nous a dit de vous protéger, mais... les rôles ont été inversés. Soldats soviétiques. Il y a eu un massacre ici, on dirait. Je pense à papa tous les jours. Je lui en ai voulu pendant des années de s'être perdu dans son travail, d'avoir poursuivi ce que je pensais être des chimères. J'ignorais tout de la vérité. Je n'arrête pas de me dire que j'étais jeune, que je ne pouvais pas comprendre. Mais je ne l'ai pas moins perdu pour autant. Et aujourd'hui, bizarrement, je me sens plus proche de lui que de son vivant. Il n'est jamais arrivé aussi loin. Mais je sais qu'il est avec moi. La source divine est ici et je compte bien la trouver. Il avait compris qu'elle pouvait changer notre perception de l'âme humaine, qu'elle pouvait changer le monde. Mais il est mort. Lara, est-ce que tout va bien ? Oui. Je suis au pied de la vieille usine soviétique. Je me dirige vers l'entrée de la mine, en haut de l'installation. Vous pouvez me retrouver là ? J'arrive tout de suite. Comme des animaux. Négatif. Même si on en avait une, la révolte a causé de gros dégâts structurels. Ça devrait être de la tarte de monter là-haut. Le froid et la nature ont repris leurs droits. Alors c'est là que ces soviétiques ont percé. Ouais. Les premiers contacts ont eu lieu dans un des puits de mine. Ils ont réaffecté tous les hommes à l'excavation. Et une semaine, les gars se sont révoltés. Ils ont fini par en avoir marre, c'est ça? T'as vu comme c'est glauque ici? Y a pas de mystère. Chaud devant.
Contact avec l'équipe de Rocco. Thank you.
là. Je suis coincé là. Il faut que... Jacob! Merde! On est venu chercher. Selon le manifeste, les soviétiques auraient placé les artefacts qui ont le plus de valeur dans ce coffre. Va falloir le forcer. Qui a le chalumeau? Je m'en occupe. Bon, écoutez tous, ne touchez à rien. Faites l'inventaire de tous les artefacts que vous trouvez. Tous ces trucs sortent de la mine? Ouais. D'après les derniers rapports, ils ont stoppé l'extraction dès qu'ils sont tombés sur ce site. La révolte a commencé juste après, dans la confusion. C'est très ancien. Les inscriptions sont pas en russe. Une idée de ce que c'est? Un mélange de grec et de mongol. Attention, juste les charnières. Monsieur, déployez-vous. Il faut qu'on l'encercle. Stop. Si on continue, ça va devenir une habitude. Merci. Ravi que vous soyez là. C'est votre raccourci?
Ouais. Mais on ne sera pas les bienvenus. Vous n'êtes pas obligés de venir. Ça suffira pas à me décourager. Je veux toujours avoir des réponses. Alors ne perdons pas de temps. Allez, il vaut mieux pas traîner là.